Je m'appelle Jules et j'ai 12 ans. Je vis à Revigny-sur-Ornain, près de Bar-le-Duc. Hier, j'ai vu une boule de feu tomber du ciel entre Brabant et Revigny. Cela a fait des flammes incroyables et quelques boches en moins. Le voisin a dit que c'était un zeppelin. J'habite une petite ferme avec ma mère et ma grand-mère. Ma mère est très malade. Elle a beaucoup de fièvre et nous avons peur pour elle. Mon père nous cause aussi du souci. Il est au front et nous n'avons plus reçu de lettres de lui depuis plusieurs semaines. Dans ma dernière lettre, je lui ai demandé un casque prussien. Voilà ce qu'il m'a répondu. Pour le casque de prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid. Il pourrait attraper la grippe. Et puis mon pauvre Jules, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Il y a des papas qui sont à la guerre et des enfants comme toi qui sont avec leur maman. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français? Et si ce papa prussien rapportait un képi de français à son garçon et que ce képi fût celui de ton papa, qu'est-ce que tu en penses? Bonjour maman, tu as bien dormi? Non Léon, j'ai encore fait des cauchemars. Maman, moi c'est Jules, ton fils. Papa il est à la guerre. Appelle-le pour qu'il aille chercher le docteur. Mais c'est impossible. Alors mon amour, va chercher le curé. Je ne vais plus vivre bien longtemps. Maman, mais puisque je te dis que papa n'est pas là, moi c'est Jules. Bon, je vais demander à grand-mère si on a reçu des nouvelles. Grand-mère! Oui, Jules? Maman m'inquiète de plus en plus. Elle me prend maintenant pour papa et demande le curé pour l'extrême onction. Si au moins on avait des nouvelles de papa, est-ce que le facteur est déjà passé? Non, mais je viens d'envoyer une lettre à son régiment pour savoir ce qui se passe chez eux. Comment savoir s'il a envie sans l'aide de sa part? Cela va bientôt faire un mois que papa n'a pas écrit. Tous mes camarades de classe me disent que c'est parce qu'il est mort. C'est long, trop long. Mais ni l'armée à Paris, ni le service de renseignement de son régiment ne nous a écrit pour nous annoncer sa mort. Mais alors pourquoi il n'écrit pas? Cela ne ressemble pas. J'ai demandé au facteur qu'est-ce qui se passe. Ici, on ne reçoit plus de courrier maintenant que je lui ai dit. Et il m'a répondu que c'était la cause de la censure. Toutes les lettres sont lues à trois par le contrôle postal, sur instruction du général Joffre. Ils ouvrent le courrier et vérifient que les soldats n'écrivent pas dans leurs lettres la localité où ils se trouvent. Voilà ce qu'il m'a dit le facteur. Il en sait des choses, celui-là. Il ne pourrait pas demander si mon père est encore en vie. Pour ça, il faut prier, mon grand, et espérer que la mort nous laisse en paix. On a bien assez de soucis avec ta mère. J'ai demandé à grand-mère. Le facteur n'est pas encore passé. Mais nous aurons peut-être encore du courrier aujourd'hui. Peux-tu me relire sa dernière lettre en attendant? Cela me fera patienter. Ma bien chère Marthe, j'ai bien reçu tes deux cartes des 25 février et 3 mars qui m'ont très touchée. Merci. Tu me demandes de te narrer les derniers événements et je le ferai avec plaisir si j'en avais le temps. Nous sommes pour 2 jours à l'arrière, après en avoir vu de cruels, je t'assure, sur le village de Vaucois qui restera mémorable dans mon existence. J'ai vu bien des fois passer la faucheuse de près. Encore avant-hier, où un de mes camarades a été tué d'un obus au moment où nous causions ensemble. Après 8 assauts consécutifs qui nous ont coûté peut-être 10 000 hommes, nous sommes enfin arrivés à prendre pied sur le village, qu'il faut maintenant disputer ruine par ruine à l'ennemi, qui est enraciné et terré comme des lapins. Ici, c'est une guerre de taupes. Ils nous font beaucoup de tort avec leurs fameux crapouillots qui ne sont ni plus ni moins que des obus lancés à courte distance. Le plus terrible ennemi est encore le froid, la neige, la pluie et la boue. Nous sommes toujours trempés et nous sommes arrivés à notre court cantonnement exténués dans un piteux état, je te l'assure. Nous sommes totalement abrutis par le canon et les crapouillots. Encore pire comme détonation. Nous sommes à Vaucois, au milieu d'une montagne de cadavres. C'est l'aspect de la guerre dans toute sa sauvagerie. L'odeur et la vision de l'hécatombe en plein, ça vous coupe l'appétit. D'ailleurs, nous ne mangeons qu'une fois par jour et froid le soir. Car dans la journée, impossible d'accéder à la tranchée. Te dire combien aujourd'hui nous apprécions une botte de paille et un café chaud. Tu dois le deviner. J'ai bien reçu ton petit colis. C'est très gentil. Au revoir encore, ma chère femme. Et confiance. Et transmets toute mon affection à Jules, notre cher fils, ton Léon.
Thank you.